بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالي غيكومبخوند. طبعا كنا قد وصلنا في آخر مرة إلى هد الصوت، صوت أو. كما نلاحظ قلنا بأن هذا الصوت يكتب بأو، بحرف أو الذي نعرفه، ثم أنه يكتب أيضا بهد أي، ثم ب أ أي. إذا نتكلم عن صوت أو كما في كلمة لوبو، لوبو شوفال، لوبو شوفال، ثم في كلمة صوت كما نلاحظ. طبعا قلنا بأن هذا سيرو فيرب صوتي. ثم وصلنا إلى هاد المقاطع اللفظية، رأينا أو، فو، بو، صو، إن أوتو، إن فوت، لو شابو، لو شابو. عندنا المقطع اللفظي او، ثم عندنا فو، فو. ثم بو، ثم صو، صو، صو. ثم إن أوتو، إن فوت، إن فوت.
ثم لو شابو. لو شابو Ensuite, nous continuons avec ces images et ces mots, comme nous le voyons. Nous prenons la première image et nous posons la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous voyons sur la première image? Eden, c'est une automobile. C'est une automobile. C'est une, regardez ici, une automobile. Auto, on est ici, O, auto, mobile, mobile, automobile, automobile. Nous prenons la deuxième image et nous posons la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un bureau, bureau. C'est un bureau, bureau. Ro, ro. E, A, U se prononce O. Alors là, on a un bureau. Un bureau. Nous prenons la troisième image. Qu'est-ce que c'est? C'est un. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un crapaud. C'est un crapaud. L'image suivante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau. Gâteau. Et donc, comme vous l'avez remarqué, ان كل الكلمات التي نتطرق لها اذا كلها تتضمن هذا الصوت او سواء بهذه الكتابه او بهذه الكتابه. اذا ان gâteau. Un gâteau. Un gâteau. Regardez ici l'indication de la flèche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a mis sur sa tête? C'est un chapeau. C'est un chapeau. L'image suivante. L'image suivante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un chameau. C'est un chameau. C'est le chameau. C'est le chameau. L'image, l'avant-dernière, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le couteau. Le couteau. Le couteau. C'est le couteau. Et la dernière image, qu'est-ce que c'est? C'est un bateau. C'est un bateau. Un bateau. Un bateau. Ensuite, nous prenons ce paragraphe dans lequel nous allons voir des mots avec on, avec on, avec au, avec o, avec gre et avec jou et avec jou. Nous prenons les mots avec on. Par exemple, le pont, le pont, le pont, le pont. T'as de Hattei la tontak. Le rang. Le rang. Le rang. Taban hattei aiden la tontak. Le mouton. Le mouton. Le mouton. Le mouton.
Nous prenons les mots avec on, avec an. Par exemple, le ruban. Le ruban. Le ruban. Le ruban. Le ruban. La danse. La danse. La danse. La danse. Regardez là. On a une danse. C'est une danse. Ici, comme nous le voyons, c'est une danse. Ensuite, on a la chanson. La chanson. La chanson. La chanson. Et dans notre kalimat, on. Le ruban, la danse, la danse, la la chanson. Nous prenons aussi les mots avec O. Par exemple, le cheval saute. Le cheval saute. Sur l'image, comme nous l'avons déjà vu, regardez ici, on a un cheval qui saute. Là, on a un cheval qui saute. Le cheval saute. René a chaud. René a chaud. Et dans René, عنده. طبعا عندنا كلمة هنا ما عندناش فعل. عندنا اسم. إذن غني أشو. غني عنده حرارة. إذن كما سنرى بأن غني عنده حرارة لأنه كان يجري كثيرا. بما أنه كان يلعب ويجري إذن فهو أصبح ساخنا. إذن غني أشو. ممكن أن شخصا آخر يصبح ساخنا مثلا بفعل الحمى. Une autre personne a chaud parce qu'il a de la fièvre. Nous prenons les mots avec O. Par exemple, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. أنا أشرب من الماء. Je bois, طبعا c'est le verbe boire, conjugué au présent. نقول, je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Je bois de l'eau. أنا أشرب من الماء. ثم un beau bateau. طبعا كلمة بو رأينا فيما سبق. رأينا le beau cheval. الحصان الجميل. Ici on a un beau bateau. إذا نتكلم عن باخرة جميلة. إذن باخرة من البواخر لا نعرفها بالضبط. أما هنا فنتكلم عن الحصان وكأننا نعرفه. نقول le beau cheval. الحصان الجميل. ولا نقول هنا حصان جميل. كما عندنا هنا مثلا نقول un beau bateau. إذن نتكلم عن باخرة جميلة. Ensuite nous prenons des mots avec gre, gr, avec gr. Il donne par exemple gros, yani dakhm, gros, yani dakhmoun. Après gris, ramadi. في المؤنث نضيف هنا e. في المؤنث نضيف e. عندما نصف شيئا مؤنثا نقول عنها بأنها رمادية. إذن نضيف e. فتقرأ هاد اس. فنقول غريز. نقول مثلا لا ماتيير غريز. يعني المادة الرمادية الموجودة بالمخ. إذن غريز. أما هنا فنقول غري. هاد اس لا تنطق. Après, on a grand-père. كما نقول الأب الكبير. المقصود الجد. Le grand-père. Ou bien grand-père. Grand-père. Un tigre. إذا نتكلم عن النمر.
ثم جو. Nous prenons les mots avec jo. Par exemple, tous les jours. Tous les jours. كل الأيام. Tous les jours. Le jour, هو اليوم. Les jours, الأيام. Tous les jours, كل الأيام. نقول مثلا, tous les élèves. Tous les élèves. كل التلاميذ. هنا عندنا, tous les jours. أو نقول, أحيانا نستعمل toujours يعني دائما toujours دائما ثم je joue je joue je joue طبعا هاد je تعني أنا الضمير الشخصي أنا je ثم joue c'est le verbe jouer هذا فعل لعبة أنا ألعب je joue je joue je joue أنا ألعب. Je joue. أنا ألعب. إذا نستأنف الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.